Amis, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va voir un truc qui peut être pratique. On avait vu tous ensemble qu'on pouvait faire les différents rythmes de base. Est-ce que je vous les rejoue? Il y a le fameux poum tchak poum tchak, le poum tchak poum tchak, le poum tchak poum tchak. Différents, mais on sait que c'est difficile à différencier. Poum tchak poum 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 tchak et poum tchak poum poum tchak. D'accord? Bon, on les faisait avec des croches au charlet, c'est-à-dire que. On va juste faire le poum tchak d'abord. Bon, ça va, vous connaissez. Là, on va faire la même chose, mais au lieu de faire des croches au charlet, on va faire des noirs. Deux fois moins vite. D'accord? Et ça va faire ça. C'est pas très compliqué, puisqu'à chaque fois, la grosse caisse va tomber avec le charlet et la caisse claire aussi. Ok? C'est parti. Voilà, là ça va. Ce qu'on va voir, c'est que pour le rythme 2, celui qui fait... Là, ça va se compliquer un petit peu parce que la deuxième grosse caisse ne va pas tomber avec le charlet, mais un peu à contre-temps du charlet, ce qui va nous faire travailler une espèce d'indépendance. C'est parti. Ok, bon. Pareil pour l'autre, le 3. Le 3 qui fait poum, tchac, poum, poum. Là, c'est la première des deux grosses caisses qui va être en l'air. Je vous montre. Ok. Ensuite, les trois grosses caisses, et ben là, la première et la troisième seront en l'air et celle du milieu, la seconde, sera avec le charlet. Comme là. Et alors le rythme 5, lui, c'est un peu le plus compliqué parce que comme on fait la première et la troisième des grosses caisses sur les trois qui sont entre les deux caisses claires, le charlet va tomber, lui, dans le vide et les grosses caisses vont être à contre-temps du charlet. J'espère que j'ai été clair. Je vous montre, comme ça vous allez comprendre. Ok. Voilà, ça peut donner ça, ça peut être sympa si je vous joue un peu plus vite. Ouais, je fais le cake. Mais vous n'êtes pas obligé. Si je vous le montre un peu plus vite. Là, je vous fais un petit florilège, une petite compilation de tous les rythmes qu'on a appris jusque-là. Bon, le dernier, là, c'était pas encore vu, mais on le verra bientôt. Allez, j'espère que vous avez tout bien compris, tout bien suivi, tout bien assimilé. Je vous ai bien montré avec les trois grosses caisses. J'ai un doute, je vous le remontre. Avec les trois grosses caisses, ça fait ça. Et ouais, c'est sympa. Hein. Bon, allez, la suite au prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, mettez-moi des pouces, mettez-moi des commentaires si vous avez des trucs que vous n'avez pas compris. Et puis, ben, moi, ça me fait travailler et ça, c'est cool. Voilà, à plus dans le bus. Ciao, bye bye.